Hey, bonjour. Salut. Épisode 78 et voilà. Donc on a voulu faire un long repos et Minsk et Jaera ont décidé de taper la causette. Ma soirée s'annonce sympa. J'aime bien. This mess falls on our heads, Minsk. The city under siege, its people poisoned by the cult. It all might have been avoided if you had just put your feelings aside and listened. Vous êtes la seule que Minsk écoute, vous vous souvenez? C'est pas faux. J'aime bien la 3 aussi. Ah, oh, et je vois pas tes jets. Oh là là. Non, je vais refaire 10 oh, donc. Oh, aller, échec critique. Ah non. Relance post D. Allez, et je rajoute le bonus, ce sont mes amis. J'ai fait 3 et 7 quoi. Heureusement que j'ai des bonus. Ça commence bien. Faites MJ, ça va vous pourrir vos jets de dés jusqu'à la fin de votre vie. T'inquiète, j'ai pas besoin. No comfort to me that my face made this fool all the easier to lead. The point remains. You meant well, Minsk. But you exposed the city to harm. You helped the cult spread. And worse, perhaps than any of this. You forced me to leave you behind. But this is where Minsk falls short of the understanding, Jahira. What else is a berserker for, if not to charge into danger ahead of his Weklaren? The Weklaren, wise women of Rashomon, each bonded to a berserker bodyguard for life. There is no higher title, nor deeper bond, in all of Rashomar custom. Weklaren? Minsk, I am not your witch. You are not my bodyguard. This is not some high lodge of your homeland. Bu agrees. You're a queer kind of witch. But this city is a queer place. And Minsk, you may have noticed, is sometimes strange himself. The titles matter not. Only this. When Minsk does as Minsk does, and charges in to make a mess, Jahira does as Jahira does, and finds a way to save us all anyway. Il est vraiment très simple. Oui. Autrement dit, il n'a absolument rien appris. Génial. Well, at least you're getting to know him a little better. I am your friend, Ranger. I am not your witch. There will be no ointments or healing balms. Not even for Boo? Oh. Non. Mais pourquoi est-ce que je suis à poil, moi? Je vais dire, mec, je crois que t'as zappé les vêtements. Bah, ils sont où mes vêtements? Bah, je sais pas. Bah, enfin. Ça fait très. Mais c'est pas comme ça qu'on s'habille? Bah, je sais, mais. Mais vraiment, le mec, aucune pudeur, quoi. C'est. Non, par contre, ce que je trouve un peu décevant, c'est que t'as les yeux qui crépitent et les mains qui crépitent. Non, finis pas ta phrase. Oh, elle dit ok, vachement beau le tapis, hein, franchement. Et... Oh, vous avez vu ce bois, vraiment, c'est. Vous remarquerez que je suis pas allé plus loin, mais. Chacun aura pensé ce qu'il veut de la fin de ma phrase. C'est de la cajou, ça, non hein, on est d'accord. C'est du délicieux cuir de Corinthe. Ah bah, purée, waouh, t'as vraiment les. Rembourré, là. Voilà. Les moulures, hein, vraiment, sont waouh. Wow. Ça, c'est sûr. La corniche. Waouh, la corniche, elle est folle, la corniche. Le drapé au mur. C'est dingue, vraiment. Ah là là. Quelqu'un. Ah oui, il y a le vioc là. Jaira les approuve. Bon, mais il y a Jackie la fait. Ah oui, c'est vrai. Ah. Ouais, tout paravolo. Exactement. Il était très bien ce type d'épisode. Ouais. Je préférais le mien. Perhaps you would hazard a guess as to why the mob turned on me? Bien sûr qu'on sait. Ouais. Je me suis dit que votre décennie de mensonges et de désinformations avait fini par vous rattraper.
Pish posh. That strutting tyrant has a long reach and a steel fist, but he's a puppy dog compared to the real horror that haunts our streets. The Lord of Murder has returned, as he did a hundred years ago. Baal has set his accursed sights on Baldur's Gate, and his temple runs red with the blood of the innocent. Orin is his chosen, and like Saravok before her, she is able to take on the savage form of the Slayer. Elle est toujours à la bourre. Hein. Ouais, ça c'est. Attention, un cataclysme arrive. Ouais, ouais, c'est bon. Ça, c'est déjà fait. By the wizard Irenicus himself. It contains all of the knowledge needed to slay the Slayer. Now I just need a brave adventurer, willing to face Baal's chosen, and to put the knowledge into practice. Bah ça, vas-y, moi je veux bien. Ah, c'est un truc. You triumphed over Baal's chosen? Marvelous! Such a historic deed must be documented in every gory detail. You and I shall pen the book of your experiences together. But I suppose you'll have to deal with the Illithids first. Please do tell me when you've thwarted every apocalypse that's currently in motion. Il en sait vachement long quand même. Hein. Bon, je suis en slip de guerre et en chaussons, ça va pas du tout cette histoire. Monsieur l'occultiste, j'ai besoin de vous. Il vend des trucs, hein, si jamais. Quoi? Qui, quoi? Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Eh, hey, il avait un anneau qui était pas dégueu, hein. Quand vous soignez une créature, ce dernier gagne 1d4 de bonus au jet d'attaque et au jet de sauvegarde pour 2 tours. C'est pas mal. Pas mal. L'idée. Il y a des objets de voleurs si jamais. Alors, je sais pas si Kiki, tu avais besoin d'outils ou pas toi? Ah t'es mis, hein? Vas-y, vas-y, en fait j'étais mute. Oui, mais... ouais, au-delà d'être mute, je suis même pas dans la partie donc... fais des... Ah, dans la partie, t'as encore planté? Bah, ouais. En fait... je sais pas pourquoi, mais enfin, si je sais pourquoi ça a planté, mais bref. Tu voulais pas garder la robe de la petite gourgandine? J'ai normalement fixé mes problèmes, donc il faut juste que je relance le jeu une dernière fois. J'en ai marre. Mais j'ai réussi à faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire le lancer en fenêtre. C'est déjà pas mal. Je vends les 49 pièces de cuivre qui vont arrêter de te faire croire que tu avais vu juste un catox. Paf, voilà, c'est bon. Baldur's Gate, c'est un jeu vidéo, c'est pas la réalité. J'ai, j'ai été validé par l'Arène Studio, c'est tout. Le mec, il va être là sur son lit mort. Les pièces de cuivre. Pièces de cuivre. J'avais raison. Alors, les outils, on prend. Paf. On en a jamais assez de façon. Alors, on a un tableau qui vaut 1000 balles quand même, hein. C'est pas mal. Bien, faut pas dégueu, ouais. Ouais, mais il y a plus de thunes en fait, lui. Et la robe de Viconia, tu veux pas la garder parce que c'était une robe. Ah oui, non, bah, oui, tu pourras pas la porter donc. Mais ça aurait été très bien pour un petit défilé de mode là. Bah, j'ai cliqué sur connexion sur salon de A, erreur. Sur salon de A, erreur. C'est Katox. Ah hein. Donc vous êtes encore en long repos, tu pourrais pas venir. Hein? Bon, bon, on passe. Ah, c'est embêtant ça. Allons nous coucher. Bah, ou juste sortez du long repos. Ah, c'est con, parce que c'est toi en plus responsable bleu bouffe normalement. Oui, mais bon, vous allez vous débrouiller sans moi. Tout va bien, mon personnage. Non, on sait pas là, tu vois, on va mettre, tu vois, genre une sardine à moitié mangée. Enfin, les poules sans tête, quoi. Mon dieu, non. Ouais, c'est j'imagine trop. On a 9000 unités de bouffe dans un sac. Mais bon, que bah, faire? On va devoir manger ce coussin. Mangeons nos chaussures. Oh, tiens, j'ai pas à manger, mais j'ai une fourchette. Je vais donc manger la fourchette. Non, pas gratouille. On va manger hibou. Let's go.
Oh. Au pire, tu manges Minsk, il y a à manger sur le bonhomme. Ah voilà. Oui, ça je. Ouais. Mais par contre, la cervelle elle est un peu vide. Hein. Oui, mais c'est bon. Oui, bah c'est pas grave, tu feras pas de pâté de tête, mais tant pis. Tu vois. Oh, attendez, regardez, c'est rigolo, on a déjà du. Du percarcasse, ouais. Ouais, c'est moi qui l'ai. Ah, j'avais pas vu. Ah, d'accord, ok. J'ai décoré la cheminée, wow. Je me dis, on met souvent ah, le. Et on arrive. Eh, hey, t'as un sens de la déco. Bah oui, on met souvent Tata sur la cheminée, donc je me dis, carcasse, il irait bien là, quoi. Ouais, il y a de la suite dans les idées. Voilà, hein. Wow. Ce mec est vraiment très intelligent. C'est pas la moitié d'un trou de. D'un belge. D'un ouais, belge. Ouais. D'un trou de belge. D'un trou de belge. Excellent, excellent. D'un trou de pète. Donc, comme je le disais avant qu'on lance l'épisode, on est arrivé sur cette magnifique scène quand on s'est reconnecté au jeu. Et pour moi, c'est le symbole d'un travail bien fait. Il aime l'odeur du cuivre au petit matin. Ouais. Du cuivre. Ouais. Du cuivre, il insiste lourdement. Ah ouais, de l'acier, hein, le minerai d'acier, attention. Hein, ça... alors, minerai d'acier, mais d'où ? C'est parce que c'était quand c'était dans. Oh, ça date, c'était dans un de nos JDR. Où, je dis forte. Ouais, oui, j'ai dit, vous entrez dans une c'était... pièce, une forte odeur de cuivre, et j'étais genre, cuivre, mais non, c'est du fer. J'ai dit, mais non, c'est du cuivre, c'est une odeur métallique, niquez-vous. Et là, voilà, j'ai raison. Ça doit faire bien 4-5 ans, mais j'ai raison. Oh là là, au secours, putain, mes cours de médecine, quoi. Ah voilà. Tes cours de médecine, coup, pardon. Il a raison, je crois. Tes voilà, cours de médecine de cailloux, oui. Ouais, t'inquiète. Tes cours de médecine de cailloux, c'est tout. Chut, ils vont pas s'en rendre compte. Cours de médecine, et vous êtes géologue. D'accord. Non, Je suis docteur. Ah bon ? Ouais, donc, géologue. Docteur de père en fils, hein, fils de boulanger. Peut-être demander un second avis. Mais non, mais faites-moi confiance, rassurez-vous. Là, ce que vous avez, hein, c'est. C'est. Oh, c'est. C'est pas une fracture, ça. C'est juste un petit grain de beauté. Si je vous enlève l'os, vous n'avez plus de fracture. 14 années de médecine. Alors, c'était donc... qui la plus pétée de tous là? Parce que je peux réanimer un cadavre. C'est laquelle la plus balèze qu'on avait en face de nous là? C'était Viconia. C'était. Dans ce coin là, non, là ici. Viconia, c'est pas. Viconia, là c'est elle. Viconia Devere. Devere. Allez, toi, tu vas devenir mon pet. Bah, elle était plus sèche qu'au début, hein. On va pas se mentir. Mais elle a une petite ceinture en perles, hein. C'est... ça existe, quoi. Bon, on se balade un peu. Vous parliez d'une ligne. Alors, je l'avais dit qu'il y avait un coffre à... Oui, c'est fait. Nickel, il y avait quoi dedans? Bon, trois fois rien. 14 000 pièces d'or, trois fois rien. Ah, je suppose qu'il y avait un gobelet en bronze. Le vase qui. Pour ouvrir la porte. Le vase qui. Non, mais il y a une énigme pour. Non, mais il faut faire 30 pour ouvrir la porte. Enfin, c'est pas grave, on va faire 30. Mais le vase là. Le seuil de la peur. Ah, mais là, regarde, père du patriarche. Seul. Ah, attends. Moi, tu vas voir, je suis un patriarche, tu vas voir. Donne-moi 2 secondes. Je vais devenir un patriarche, vous êtes pas prêts. Hein. Et je me demande si c'était pas l'orbe qui vient d'exploser là. Non. C'est moi qui l'avais posé là avant. Voilà. Il est où mon anneau là? Voilà. N'en faites pas là. On va le crocheter le truc. La déposition, c'est quoi ça? Manifestement, c'est pas tout de suite. Revenez dans 5 minutes. Tu peux pas lui mettre un coup d'épée? Ah non. Bah non, elle a pas de point de vue. Oh Ah oui, en fait j'avais une clé. Vous pouvez pas imaginer à quel point je suis deg. Ça va, beau crochetage, hein, vraiment, ouais. Bravo. J'ai oublié de vous dire, en fait j'avais une clé. C'était ouais. Ça, la clé du mystère. Ah, je sais pas, c'est trop bien. Ah, il y a des attachés. Ah merde, ils sont y a un bouquin. Les captifs de char, j'ai l'impression que ça fait 20 fois qu'on le lit. Soirée BDSM. Soirée. Quoi? Alors, si vous voulez un peu de l'or, je vous conseille d'écouter le dialogue de Kakatox. Pardon. Kakatox, pardon, excuse-moi. Ah, si, je crois savoir. Bah, par contre, il est fini le dialogue, c'était rapide. Non, il a coupé le dialogue surtout. Oula, c'est qui ça? C'est le papa et la maman de quelqu'un.
Et c'est tout. Mais je peux pas leur parler plus. Ou alors faut peut-être les faire descendre de là. T'es pas censé leur parler avec du coup notre petite adepte de char? Bah si, mais faut que... Enfin, on sait pas. Ah ouais. Celle qui... Celle qui nous a lâché parce que... Oui, c'est vrai, on a... elle est partie. Oups. Elle est partie? Bah oui, elle nous râlait dessus. Ah ouais? Bah oui. Si, si, elle nous a lâchement abandonné, cette saleté. Ouais, parce que... Non, on avait ruiné sa vie, tout ça, tout ça. Ouais, ah ouais, on avait sauvé ou... On avait sauvé ou on avait buté Ah non, on avait sauvé... Oui, on avait décapité. C'est tout. Oh. Mais oui, là, c'est un truc de quête de compagnon, ça. C'est quoi le miroir? Moi, je veux cliquer sur le miroir, je peux? Je t'en prie, vas-y. Bah, vas-y, mais t'as intérêt à être... Bah, j'espère que tu vas être chatteux, mec. Hein. J'ai cliqué. Ah mais non, faudrait que ce soit Arda qui clique. C'est trop tard. J'ai cliqué. Ça fait quoi si j'ai cliqué? Je vais mourir? Religion. Tu peux t'en aller, tu peux t'en aller. Ah, je me casse, hein. j'ai zéro. Vas-y, Arda va mourir. Youhou! Mais faut avoir de la chatte, c'est ça? Fais une sauvegarde. Ça s'appelle la chatte du joueur. La puissance de la save. C'est on ça. Va. Ça sera sans montage, hein, bien évidemment. On va créer un on va créer un perso. Attendez, je tousse, je vais mute. Dans les JDR, on va créer un perso avec un pouvoir spécifique, le pouvoir qui s'appelle sauvegarde. Genre, avant de rencontre. Arcane, t'as plus 9. Ce sera un il va remonter le temps. Voilà, un 14 et c'est bon. Enfin, 16 et le guidance, bon. Hein. 19, allez. Mais tu vois, j'ai pas besoin de le guidance, il a réussi du premier coup, il a pas besoin de moi, c'est un homme accompli. C'est un mage. Ouais, on va voir s'il se sort mieux après. C'est qui complet? Il va sortir, il va être level 1. Ça serait incroyable, ça, par contre. Alors. Oh, vas-y, dis 1. Tu offres une partie de toi-même à Char et elle va faire de toi son paladin. Son paladine. Ouais, mais je suis mage, qu'est-ce que j'en ai à foutre d'être paladin? Et bah, je sais pas, t'auras peut-être des spells slots en plus, vas-y, tente. Ah, mais j'aurais un plus 5 à côté si je fais la 2. Peut-être prière. Allez, vas-y, fais 1. Mais non, c'est trop simple. Enfin, faut faire une réussite critique, quoi. Hein, ça, c'est ça, bah, mais... c'est pas simple du tout. Bah, ouais, mais. Là, une petite guidance, je suis pas contre. Ouais, mais je peux pas, je te regarde en fait, on peut pas sortir du dialogue. Bah, tu veux faire des champs. C'est pas que je veux pas, mais. Seulement on avait eu un prêtre dans le groupe. Dingue. Oh putain, vraiment. Oh. Ah putain. C'est dommage, t'as un prêt. C'est con, hein. T'aurais eu un plus 6, ce serait passé. Ouais, hein. Ouais. C'est con. Guidance. Ah, manifestement, elle sent pas les couilles de tes prières, gars. Allez, allez, la 1, let's go! Oula! Tu oublies comment respirer, tu meurs. Voilà, voilà. Intestible. Incroyable! Ah, tu peux offrir le savoir interdit? Oui, bah non! Mais c'est quoi le savoir interdit? Mais c'est le truc qu'il a lu dans le bouquin là. Ah! Bah, offre des souvenirs de ta force, vu que t'en as déjà pas beaucoup, tu risques pas de perdre grand chose. C'est vrai. Ton impressionnant. C'est là que tu finis en petit gros après, au lieu de ton corps bodybuildé d'elfe là, qu'on a vu tout à l'heure. Has stolen your support. All that
charming and cajoling in the parlors of the upper city wasted. What? The memory fades away, yet it leaves its mark on your mind. The dark mirror seems to turn dormant, its hunger sated. Attends, on peut pas retrouver l'historique du dialogue? Oh, chiant. Non. Et en plus, on t'avait perdu quelques secondes, c'est ça? Non, non, c'est pas ça, c'est que... Il a dit un truc, mais j'ai pas eu le temps de... bien comprendre ce qu'il disait. Alors, c'est quoi le nouveau trait que j'ai? Bah, t'as perdu le force, déjà. Oui, ça, j'ai vu, ça. Mais bon... Est-ce que t'en as vraiment besoin? Je sais pas. Est-ce que c'est pas éveillé? Non, c'est pas ça. Là, j'ai vigueur volée. Ah. Après, si t'as un truc qui enlève le curse, tu peux te le faire sauter. Ouais, mais est-ce que j'ai gagné un truc? Non, t'as rien gagné. Je crois que vu que t'as fail la prière, t'as rien gagné. Ah, dommage. C'est nul. En gros, faut que tu réussisses la prière et que tu réussisses à comprendre ce que c'est que le miroir pour... en gros, tu files un truc et après, tu choisis normalement une stat où tu peux up encore de 2. Ah ouais, donc là, je l'ai juste dans le cul, en fait. Ouais, dans tu t'es juste fait baiser. Mais pas comme j'aime. Bah après, bon, 6 de force, c'est RP pour un mage. Mais du coup, ouais, tu vas vraiment sauter, genre, littéralement, moins 1 mètre, quoi. Ouais. Là, c'est dur que là, bon. Quand ça devient complexe. Du coup, il faudrait un parchemin. Bah, de décurse, quoi. Ouais, mais ça, je crois que j'en ai plus. Allez, je vais partir faire des emplettes, hein. Je vais aller en acheter. Ah, merde, je peux partir au bon endroit. Ah, d'accord, tu pouvais y aller. Lower City. Attends, je vais aller essayer de voir. Je vais aller voir chez les magots s'ils ont ça. Bon, peut-être qu'on en a. Après, je sais pas si. J'ai regardé, mais j'ai pas l'impression. Normalement, c'est un truc jaune. On est d'accord, hein. Comment, hein? C'est un parchemin jaune de mémoire. Non, il est bleu avec une espèce de rune à la berserk dessus. Bon. Ils sont où les parchemins? On a fini d'explorer la zone. Ah non, il y a un truc par là. Ah non, il y a encore des portes qu'on a pas ouvertes. Comment il s'appelle le sort déjà? Rappelez-moi. Cette délicieuse odeur de cuivre. Oui, Katox, oui. De cuivre. 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 Cuivre, cuivre, cuivre moustache. C'est bon, j'ai deux pare-chaudes pour retirer les maillets. Hop là. Il y a trois pare-chaudes de désintégration aussi, si jamais. Ah, si on a de l'argent. Non, on n'a pas d'argent. Katox. Non, viens non. Là. Non, non. Il n'y a pas d'argent du tout. J'ai trouvé le dortoir avec une fille qui s'appelle Nocturne. Bonsoir. Ouais. Oh merde, j'avais zappé elle. En fait, t'es déjà reparti explorer et du coup, t'attends même pas les frères quoi. Mais j'explore pas, je suis allé acheter des pare-chauds. Ah d'accord. Oula. Pourquoi j'attends? T'as 6 de force, ça t'empêche pas de marcher quand même. Oh Blur, ça c'est bien ça, je prends Blur. Je me traîne un petit peu. Ouais, mon jeu pas... Encore? Non, 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 mais un bug pas trop grave. Mais par contre, vous, ça aurait été chiant. C'est-à-dire que j'ai ouvert mon inventaire. Et genre, l'espace de 2 secondes, mon perso était nu. Mais c'est quoi j'ai un hack? Ouais, il y a des bibliothèques là derrière Nocturne. Moi, je connais. Moi, je connais les... je t'avoue, j'étais en mode, mais pourquoi? Enfin, genre, c'est quoi le concept? Là, vous avez rien vu. Je connais les nains des mines, mais je connais pas les nains inventaires. Mais c'est ceux qui sont aériens, c'est ça? C'est les inventaires. C'est ça, ouais, 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 c'était très aérien là. Ah ouais, là. C'était tout en courbe. Super nain de l'espace. C'est pas les squats. Où on va les squats. Ah ouais, c'est pas les nains de l'espace. Ah, c'est plus, ah, mais ça, c'est plus, ça, s'appelle plus les, ça s'appelle plus les squats maintenant, c'est comment que ça s'appelle encore? Les nains dans Warhammer 40 000, c'est les. Les Wotan. Wotan, c'est ça, le league de Wotan. Ouais. Je préfère les squats. Tu parles à Nocturne ou pas? Allez, oui. J'ai envie de rester seul. D'accord. J'ai envie de rester seul. Ok. Bon, bah. Est-ce que tu veux que je prenne un pare-chaud d'invulnérabilité? Un petit globe d'invul. Est-ce que tu penses qu'elle a vu qu'on avait buté tous ses potes? Oh, ouais. Ouais, mais est-ce que tu penses qu'elle s'en fout? C'est un détail, ça. Un détail de l'histoire. Lire journal des. Oh! Oh!
Oh, Arda, Arda, viens lire ça. C'est hyper stylé. Viens, 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 t'es où? Viens lire ce truc là. Hey magicien, viens voir ces symboles. Lis ça là. Lire quoi? Là, là. Je ping derrière toi, Joe. Ah, t'es derrière moi. Mais regarde sur la carte, Joe. Mais t'étais caché. Journal des interrogatoires. Lis ça. Bah, Nocturne, c'était la pote de... Un registre d'interrogatoire détaillant la torture d'un prisonnier Guy Cianqui sur plusieurs jours. Non mais t'as vu la gueule du bouquin? Oui, mais c'est des trucs Guy, c'est normal. Ah bon? Oui, on a déjà on en a déjà vu beaucoup des comme ça. Tiens, bah, il y a des frisbees de métal, c'est... c'est la première fois que j'en lis un, je suis hyper déçu. Et du coup, t'as récupéré le coffre à bijoux, là? Moi, j'ai rien récupéré du tout, moi. Moi, j'ai récupéré. J'aime trop le mec qui perd pas le nord, tu sais. Hey, regarde, il y a un bouquin, t'as récupéré le coffre à bijoux avant? Non, mais c'est surtout que je trouvais ça maxi beau, et le gars, il vient de me dire, on en a vu 12 000 depuis le début du jeu. Ah oui, non, mais littéralement, hein, c'est vrai qu'on en a vu un bon paquet. Genre 180 heures, je découvre que les livres Guy Cianqui, ils ont pas la même gueule que les livres de base. Mais genre, on en avait vu dans l'acte 1. Oui, mais manifestement, je l'ai jamais lu, quoi, c'est tout. Le méga pouvoir Guy Cianqui. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Bah, c'est pas moi le perso intelligent. Hein. Ah bah oui, ça, heureusement. On a tous nos flows. C'est la plus intéressante, j'ai trouvé l'armurerie. J'ai vu aussi. J'arrive. Oh, il y a un bouclier bleu, je clique. Oh, Weird, tu veux pas venir tout ramasser parce que de toute façon que je les ramasse et que je te les donne ou que tu les ramasses? Non, bah je fais des emplettes pendant que vous faites votre truc parce que vu qu'on a fait le long repos là, on peut acheter de nouvelles compos. Ah, si tu trouves des trucs pour faire des... Et à ton avis, qu'est-ce que je suis en train de regarder? C'est bien ce que je me disais, là. Eh hein, ça semblait être un truc à casser, hein. C'est cassé. Oh, c'est mignon. Cherche des machins pour faire des... Incassable. Cassé. C'est bien, c'est, non, c'est... Les mêmes, le fameux Tupperware de la mer morte. Ouais. Il marche encore. Le meilleur Disney. Ah, peut-être pas, mais il a un bon niveau, c'est vrai. Ah, c'est, franchement, il n'y a rien acheté dans ce truc. Hein. Même la princesse... J'étouffe. Même la princesse... Ça marche, quoi, c'est... Franchement, pour un vieux Disney, même la princesse, elle est pas si mal, tu vois. Ah, allez, vas-y, attends. Ah, je suis désolé, les vieux Disney, genre les princesses, apparaître des meufs qui sont toutes perdues et qui savent rien faire, genre voilà quoi, ça se pose là. À part Mulan. Ah, donc, ça a été la première Mulan qui savait à peu près ce qu'elle foutait là. Ah, Jasmine, elle avait... Non, après tu dis ça, des belles. Elle en a posé un peu, tu vois, genre. Ah, mais Belle dans La Belle et la Bête, c'est pareil, elle se démerde quand même, hein. En plus, Jasmine, elle a un tigre, déjà. Ça, c'est badass. C'est ça. C'est elle qui gagne, du coup. C'est la liste de Pokémon des... des princesses Disney, j'en peux plus. Et du coup, il y avait des trucs intéressants dans cette grotte, là? Des orchis nocturnes. Dans cette grotte, je sais pas. Par contre, il y a une quantité de matos. Tiens, cadeau. Et en prime... Envoie ça. C'est ça. Mais ça, c'est vraiment parce que c'est toi, quoi. Allez, ça aussi. Ça prend de la place. Ah, c'est dingue, hein, vraiment, l'élixir de Bloodlust et les compos, j'avais pas vu que c'était aussi chiant à trouver, c'est... Ah non, bah en même temps, il est trop bien, cet élixir, tu vois. Bah ouais, regarde, l'élixir de moi pour les Forces 27, j'en trouve assez facilement, mais le tien, c'est toujours la misère. Bon, on a tout fait, du coup? Je pense que oui. Hein. Attendez, il reste un marteau encore. J'avais un marteau. Oui. Eh, 6 à 13 quand même. Hein. On a vu pire. Hein. Il y avait quoi dans ce petit passage? Des orchidées. Des lettres. Ah, quand même, ça allait loin. La bière, tous les composants d'artisanat. J'en ai pas vu, j'ai appuyé sur la touche Alt pour les voir. C'est bien. Ouais, je trouve un élixir de match de bataille, mais pas de... Pec dans l'eau. T'as pu vendre tout ce que je t'ai envoyé? Hein? Oh non, non, j'avais pas vu. Bah, t'as dit, tu fais des petites emplettes, je t'ai dit je t'envoie des trucs, du coup. Ah, j'avais pas vu qu'on allait avoir une balance à peu près... Bah, zéro, quoi. Non, elle sera négative, on va pas se mentir. J'ai envoyé des trucs, hein, on va pas se mentir, tout ce que j'ai vu, je l'ai envoyé. Hein. Ah oui, non, mais ce sera pas suffisant. En même temps... Est-ce que tu penses que les mains étaient nécessaires?
t'as envoyé un marteau. Un petit marteau même. Bah là j'ai la main d'Alexander, j'ai la main du Duc Stelman, j'ai la main du Père Lorgan. Attention, sinon je tire une balle, balle dans la tête à la main. Ah, le poisson c'est peut-être moi. Ouais, bah j'ai vendu la main de Franck, j'ai vendu un poisson sans tête et j'ai vendu une flasque d'huile. Et une bougie. J'ai peut-être des trucs au camp qu'on pourrait vendre aussi. Oh t'inquiète, je joue aussi des merdes, hein, on va pas se mentir. Ah bah tiens, je vais en profiter pendant que vous faites votre popote là. Mais c'est fini, on a fini la popote. Attends, fini, attends, vous avez fait si tout. Vraiment des trucs à vendre, mais t'as fait. Mais on est déjà. Oh, je me souviens de rien, je me souviens même pas qu'on est venu là quoi. Ah si, mais la semaine dernière j'étais vraiment mais à l'ouest quoi. Genre, je me souviens de rien. Si, il y avait un truc où il m'avait demandé mon fort intérieur machin là. Non, vraiment pas, hein. Je me souviens du combat. Ça oui, mais ce qui s'est passé entre le entre avant et le combat, j'ai aucun souvenir. C'est quoi le shield que t'avais avant Katox? C'était le bouclier de Kateric. Ouais. Il est où là? Alors c'est qui le préposé à la bouffe? C'est moi, il paraît. Il paraît pas, c'est toi. Voilà, t'as le droit de tout trier et tout envoyer au camp. Envoyer au camp, c'est trié. C'est fait. J'ai trié, chef. Ah, attendez, je viens de trouver un truc hyper important. Bon, je m'en suis débarrassé, c'était une trop lourde responsabilité. Oula, ça aussi c'est une responsabilité que je ne suis pas prêt à prendre. Ça c'est aussi... Quoi, oh, je sais pas, c'est les trucs qui traînent. Je me dis que c'est pas pour moi. Tu vois, regarde, là j'ai des parchemins, hop. Je les ai plus. C'est bon. Ça permet d'être sûr qu'au moins je fasse pas de bêtises, tu vois. Je me dis... Alors, protection contre le mal... Hop hop, du coup les pare-chocs que t'as pris Tu les as dans mes sacs, je t'ai pris 4 chaînes d'éclair, 3 pare-chocs de désintégration, t'as un globe d'invulnérabilité. J'ai peur. Attends, je te les mets dans ton sac, paf, tiens, voilà. Je les prends. Ah bah après les autres que j'ai pris c'était pour moi, je vais pas mentir. Non mais c'était pour moi ça. La question qu'on a maintenant c'est où est-ce qu'on va? Parce que... Oula, ça y en a plein des réponses à ça. Il m'a pris mes pare-chocs. Je te les ai rendus. Bah en vérité, je pense qu'on a fini la zone ici. Hein. T'es sûr? Bah dans les quêtes... Non mais les quêtes c'est une chose. Mais tu vois typiquement sur la carte, il y a des endroits où on n'est pas allé encore. Bon les points de ces endroits là... Bah il y a entre le Lut Chantant et le quai du Port Gris là, il y a du noir là. Bah oui mais c'est de l'eau. Non, il y a un bout de ponton là. Bon allez, on va aller voir son bout de ponton. Mais regarde la petite cambuse là. Non mais je sais pas, j'en sais rien. Eh, attends. Après on finit le jeu, alors sinon bon, c'est pour histoire de se dire qu'on n'a pas fini tout de suite quoi. On va faire les épisodes de 78 à 90. On explore la moindre petite chmiche de noir. C'est les épisodes filler avant le combat de fin quoi. Ah là c'est. On est dans dans 5 minutes, la planète va exploser. Oh, 14 épisodes plus tard. Nous ne sommes pas assez forts pour l'affronter. Au secours. Mais c'est une maison. Mais on n'est jamais rentré dans cette maison. Laquelle? Mais... Bah, là, celle où je suis, là. Mais est-ce qu'on peut rentrer dedans? N'en faites pas, je vais l'explorer. Je suis un professionnel. Exactement. Alors, oh, ça commence par une petite bourse. Un spécimen de flageoleur mental, les origines du mal, ça a l'air bien. J'ai un blabla. Une bourse de flageoleur mental. T'as un quoi? Pourquoi est-ce que je peux pas venir ici? Pourquoi il t'a traité d'amiche? Affaire de la guilde. Parfait. Je suis un idiot. Tu le regardes de haut? Bah, surtout qu'il est déjà en plus tout petit. Ah mais vous êtes sur les pontons là.
Ouais, Katok c'est sur les pontons en tout cas. Je t'intimide. Bouh. J'ai réussi. Bah j'ai plutôt intérêt quoi. Bouh. Sans déconner. Quelle la miche là. Prenez ce qui vous intéresse, parfait. Oh ouais, vidéo poche aussi. Vidéo poche tout de suite alors qu'il est fini quoi. Ah je dois faire 20. Faut faire 20 quand même. Il est 25. C'est tu mon ami, vide tes poches. Oui. Ouais. Non, le regard. Here, take it and go. Merci pour votre bienveillante coopération. Thanks for your patronage. Et du coup, il te reste des trucs à explorer dans la petite baraque Bah écoute, je viens de trouver un bocal de parasites cassés, la clé du coffre de Sangeluin. Je sais pas ce que c'est, mais c'est ramassé. Mais il m'a un dit servir. Qui est pour Arda, des pièces d'or. Parce que c'est ça, mais je le ramasse. Ça, c'est des trucs, c'est pour Mjolnir. Voilà. Quand on sait pas ce que c'est pour Mjolnir. Ouais, t'inquiète, j'étais un marchand en plus, donc le truc. Ça, c'est un bouquin. Littéralement, le titre du livre fait deux lignes. C'est clairement pas pour moi. Déjà, avec un mot, c'était pas pour toi. Ouais, c'est ça, mais là, ça fait deux lignes, donc c'est sûr que c'est pas pour moi. Voilà. Et qui c'est ça? Ça, c'est pour Arda, ça. Là. Alors du coup t'es dans quelle maison parce que je te vois pas. Le pôle on sait rien, il y avait une maison, on n'y est jamais allé alors. Ah oui ok t'es ok dans cette maison là moi je suis plus loin. J'explore. Ah il m'a mis plein de livres. J'ai trouvé un spécimen de flagelleur mental. Mais vas-y envoie. Je t'envoie un coffre. Tu les manges les flagelleurs mentales Arnaud? Non je les mange pas encore mais peut-être. Avant la fin du jeu, avant d'aller buter le. J'en ai vraiment plein. Bah oui, je sais que tu les as tous. Pourquoi je peux pas l'ouvrir? Ah, parce qu'il faut le crocheter. Tu l'ouvres déjà bien assez, je trouve. Oh, bah, vas-y, je vais me muter et puis hein, voilà. Hein. Ah, on aura besoin de toi pour ouvrir encore plus de choses là où on est. Tiens, je t'ai envoyé une bagouze du coup, pour me faire pardonner. Bagouze. Une bagouze. Ah, je parle du nez alors, du coup, c'est vrai qu'on n'entend pas bien, mais... Anneau certi d'une améthyste. Oh, bah ça c'est pour même. Bon, super, je te fais un cadeau, tu le jettes. Ah non, je me dis qu'il sera beaucoup mieux. Ça brille, c'est dans un bijou. Dans quel niveau, tu sais bah, bon, tu restes pro, ça. C'est moi, il y a un gros portail dans ce. Pourquoi il y a un portail dans ma maison là? Clique dans le portail pour voir. Bah, alors, oui, mais d'abord, je vais finir de. Pourquoi il y a du sang partout? J'avais pas fait gaffe. Alors, je pense qu'on va revenir sang. Vers toi. Il y a du sang partout par terre. J'arrive. Mais, bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah mais partout. Ah oui, partout, mais, partout. Ah oui, c'est un bain de sang. Mais la question c'est, est-ce que ça sent le cuivre? Je sais pas ce que ça sent, mais... Ah bah y'a un gars qui est mort d'ailleurs. Il a un bâton. Vous êtes parti où là? Pourquoi vous êtes tous en arche arrière? Il a un bâton. Je vous avais dit de lui prendre son bâton. Je vous avais dit de lui prendre son bâton. Et pour Arda le bâton, parce qu'il est bizarre. Hein. Il fait rien quoi, c'est un bâton plus de nul. Même moi avant, ça m'aurait pas intéressé. Et je comprends pas tes. Oh, attitude moins 5 Ardarine. Oh, oh, il a ouvert une porte. Vous venez de vous faire arrêter pour vol. Let's go. Oups. Oups. Merci. Alors, t'es une potion, des outils de voleur. Ah, j'ai fait 15, parfait. Bah, à l'étage, t'as pas été à l'étage. Bah, non. Pas encore. Bah... Mais je suis pas rentré dans la pièce où t'es en fait. Bah, moi si. Bah, mais tant mieux. Voilà. J'ai envie de te dire que tant mieux. Wow! Il s'est passé des bricoles là-dedans. Tu cliques sur Ah, mais what? Monte. Attends, non, il est ouvert, c'est bon. What the fuck? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais y'a rien. Mais c'est quelle entourloupe? Mais ils sont pas dans... Ils sont pas censés être morts, eux. Ah bah... Là, ils sont plus très vivants, hein. Et pour une fois, c'est pas moi, hein. Mais c'est qui? Moi, bah... Alors on va voir, mais peut-être que... Le truc s'appelle la loge. C'est quoi la loge? Bon, ah j'avoue, j'avoue, y'a un portail.
J'ai cliqué sur le portail. Voilà, je sais pas où ça mène, mais j'ai cliqué. Attends, mais. Oh, y'a un mec qui me parle. Attends, j'ai un mal d'odeur. Ça, il a pas de nez. Regarde la cinématique, y'a pas de nez. C'est attends. C'est Voldy. Ah, mais c'est un git. Oh merde! Ah merde, on avait fait ça, d'accord. Ah mais oui, est-ce que vous vous rappelez? Pataris. And good. Father was bad. They all were. I tried to make them better, but they were not strong enough. Oui, on avait ramené un œuf kit. Oui, c'est ça. Elle travaillait pour la loge. Je me disais bien que la loge, ça me disait quelque chose. Attends, clique sur rien. Moi, j'ai envie de ramener mes petites miches dans le portail parce que. Ouais, moi aussi. Attends juste qu'on arrive, s'il te plaît. Que le... l'escadron est en problème. Je suis en train de me moucher, tout va bien. Vous me dites quand je clique. Parfait, cure-toi bien le nez, hein, attention, ne saigne pas, c'est important. C'est pas trop le sang, ouais, c'est ce que j'allais dire. On va jusqu'au sinus, c'est drôle. Et après, on aura plein de composants à voler en bas. Ah bon, bah c'est bon, on est là. Attends, mais je suis pas là. Ah bon, on est pas là. Ah, c'est bon, je suis là. Ah, mais oui, mais ça, c'est Damester là qui est. Ouais, en train de. Ouais, qui passe un bon moment par terre, je crois. Bon, elle est morte. C'est bon? Oui, oui. Attends, c'est une vendeuse, c'est-à-dire que je peux la loot. La bouse. Bah là, quand ils sont morts, il y a moins de trucs. C'est qui ton père? Ah oui, mais ça va être un good qui est pas vraiment good, c'est ça, non? Attends, si c'est nous qui avons volé l'œuf, comment il est grand comme ça en l'espace de 2 jours là? Bah, qui vole un œuf vole un bœuf, hein. Ah bah là, on a volé le bœuf là. Ah, les Gitchunky, ça. Ça pousse vite. Ça grandit super vite. C'est comme des champignons. En fait, c'est des orques. Oh! Are you a good person? Bah oui! Oui. Attends, bah, pas spécialement! Coco, c'est à moi que tu parles! Je vais lui dire que j'essaye de le servir, mais trop souvent j'ai échoué! Ouais, malheureusement, c'est contre ma volonté. C'est bien celle-là. Malheureusement. I am one of your failures. I know what you did to me. I see the memory of it. Right there. Mais quand tu sers le bien, tu ne voles pas les souvenirs des gens. C'est quoi ces ongles là? Oh, quel enfer. Bon, non. Qu'est-ce qu'il nous fait? Mais je comprends R là. What, garçon, on va se calmer. Je sais même pas sur quoi t'as cliqué, mec. J'ai cliqué sur sonder l'esprit du jeune garçon. J'ai fait 8 sur 12, est-ce que je relance? Sachant que j'ai plus 5. Bon, tu peux essayer, moi je suis plutôt. Voilà, c'est bon. Succès critique, on est bon. C'est ses pensées, hein, on est bien d'accord. Bah je crois, ouais. C'est... oui. C'est... Bah quoi? J'ai très envie de dire la 3. bah vas-y, fais-toi plaisir, mec. Qui dirige le dialogue, hein. Let's go. Let's go. I could not change that. Ah bah dommage. I killed him. I killed all these people. Est-ce que je vais réussir à le faire s'auto-suicider? Ah bah là je pense que c'est bien parti, mec. Bah c'est le but. Flawed. And I am a monster. As he said I was. I cannot be trusted. What have I
done. Est-ce que, à ton avis, si on est allé dans cette maison plus tôt, il serait pas mort, les gens? À mon avis, non. Le principe même, c'était l'œuf. Voilà, c'est l'œuf caca, l'œuf pas bien. Bon. L'œuf. Parce que dans ma partie, j'ai pas filé l'œuf et bah bizarrement, ils étaient tous en pleine forme. Bon, sauf Esther que j'avais buté, mais. Ah putain, mais il a pas l'air nul, hein. Oh, est-ce on s'occupe. Que, voilà. Par acquis de conscience. On le bute. Ah, ça serait bête qu'il soit seul avec ses remords dans cet endroit noir et sombre pendant longtemps, quoi. Je me dis, il faudrait peut-être l'épargner de tout ça. Ah bon, bah magnifique. Eh ben, dis donc. J'ai même pas le temps de finir ma phrase, dis donc. Bah, la pauvre bête. Bah, il est où? Bah, il est. Bah, je sais pas. Sa mec, il stepait le plus loin possible de la. Bah, de la cible. Il est à côté de. Ah, il s'est Mirmidon d'eau. C'est normal là que vous avez tout loupé? Oui, c'est passé. C'est parce qu'en fait, j'étais dans le. J'ai pas fait attention, mais j'étais dans la ligne de mire de. De mon Mirmidon. Donc j'ai failli m'auto faire du mal. C'est quoi un rayon traçant? C'est un incroyable. Rayon. Bah, Guiding Bolt, c'est le truc des prêtres là, qui file l'avantage. Ah, mais c'est Guiding Bolt par défaut quand tu tapes? C'est incroyable. Bah, ton arc, je crois que c'est ça, ouais, le truc de base. Bah, ouais, bah c'est bien. Bah, oui, alors, mais t'as un arc que Fumax, hein. Ça nous plaît. Tout est faux. Arrête de sauter partout, mec, là, tu commences à faire chier. Putain, mais c'est Joe la Pignata, quoi. Bon, allez, Joe mec, ça suffit, tu te calmes, t'inquiète pas, ça va bien se passer, mec. Allez, paf. Mais qu'est-ce à dire, on est là. On est là pour prendre soin de ton mal de tête, là. Hop, il est où, voilà. Il est où? Allez, ouais. Il est parti où? Ah, bah, il est venu, là. Et coucou. Putain, c'est... Je vais le taper. Ouais, ah bah, vas-y, on se fait des passes. Comment il s'appelle, le magicien, là, qui disparaît, là, qui fait des disparitions, là? Putain, pourquoi il part toujours à perpète, c'est chiant. Le gars, genre, il a tout piégé, la pièce, quoi. Ouais, je pouvais lui faire 66 points de dégâts avec des attaques multiples avec la goule, quoi. Déception oh, 19 de dommage. C'est dommage. Oh, 12 de plus. Putain, mais les ghouls, quand ça avance, c'est vraiment, ça a vraiment l'air con, hein. Oui, mais sérieux. Surtout que j'ai des momies, mais... J'ai des ghouls, mais c'est des momies. J'ai de sauvegarde glace réussi. Tiens. Non, mais... J'ai dit tiens. Voilà. Tiens de faire foutre, toi. Et dégage. Oh, le Mawashi. Oh là là. Un truc bien au moins sur lui. Un coffre en bois. Oh ah. Hop là. C'est pris. C'est clairement pas utilisé, mais... Attends, il y avait un parchemin d'invisibilité supérieure. J'utilise pas, mais c'est toujours ça de prix, tu vois. Ah putain, quand... Un marteau de guerre. Qui m'a envoyé un marteau de guerre? Ah, c'est... Ouais, c'est pas trop mal comme truc. Ouais, merci. Je m'en servirai jamais, mais écoute, pourquoi pas. Non, mais c'est vrai que c'est pas mal. Tu vois, Katox, il y avait bien un truc encore qu'on n'avait pas fait. Effectivement, j'admets. Attends, mais pourquoi tu balades avec le club du géant tout nul, là? Quoi? Pourquoi tu balades avec un club de géant tout nul, toi? Quoi, moi? Comment ça, qui pue? Oui, toi. Parce que sans ça, j'ai pas assez de force pour porter l'or qu'on a. T'es qui, toi? Attends, je vais te filer une masse qui a un peu plus de classe que ce bout de bois tout nul. Bah oui, mais moi, je veux mon score de force, c'est tout ce que je veux. Oui, mais tu auras un score de force, ne t'en fais pas. Ouais, ta gueule, hein, la meuf, là. Et juste, t'auras une masse un peu plus classe. Les masses, paf. Non, une masse de vierge. Bon, je sais pas si ça m'intéresse vraiment. Tiens, paf, je t'ai envoyé une masse. Ah, si, tu aurais... Tu aurais envoyé la même masse, mais avec moins de i, il aurait kiffé. Une masse de... Je sais pas si c'était ce nana, mais j'ai tué quelqu'un. Si jamais j'ai tué quelqu'un. Non, mais quoi, elle était gênante, elle m'empêchait de vous voler. Bah, je sais pas, je suis sorti, y'a quelqu'un qui m'a mal regardé, et t'es en mode... vous deviez pas vous être là. J'étais en mode, bon, bah écoute... Ce qui est marrant, si je devais pas être là, il y aura pas de preuve que j'étais là, hein. C'est ça. Elle est quand même plus belle, cette masse, que ton vieux gourdin tout pourri. C'est pas faux. Ouais, d'accord. Il y a date de la force aussi? Ouais. Oui.
Tu veux un truc pour donner de la force? Par contre, ce qui me fait marrer, c'est que le vieux gourdin tout pété du début du jeu, il fait 19, ils l'ont up, mais ils ont pas up la masse. Et du coup, il reste encore un endroit où on n'est pas allé. Et après, je crois qu'on a fait tout le tour. Ouais. Mais d'ailleurs, on avait pas des gants qui filaient 23 de force. C'est l'entrepôt de Lala. Ah, c'est ça, l'entrepôt machin. Et après, il y a ça là où je mets un. Voilà, tout à droite, tout à gauche, pardon, de la carte. J'ai mis un repère là qui s'appelle Clitpluck là. Clitpluck. Non, mais il s'appelle. Kallax. Bah, je préférais. Je préfère y a quand même. Mon... dans le mot, donc tu te débrouilles pour dire comme tu veux. Mais... je préfère mon symbole qu'il y avait dans les égouts quand même. Hein. Il était vachement filé. C'est quand même con, hein, parce que Blurg. Bah, Blurg est pas là. Hein. Bon, donc je vais rouvrir cette porte. Et elle est là. Est-ce que je me fais harasser par le pont enflammé? Ça a l'air d'aller. C'est bon. Ah, oh, il y a un. Mais là, mais il y avait un coffre que t'as pas déverrouillé. Ah bon? Ah oui, bah, c'est ouais, vrai. Non, pas dit, mais tape-le, ça va le faire. Mais au pire. Ah, ouais. Ah vas-y, non. Alors toi. Ouais, si, t'inquiète, je vais le crocheter. Je vais le crocheter. Et. Ah oui, mais tu fais pas du contendant. Ah si, ça marche quand même. Non, t'inquiète, je crochète fort là. Voilà, c'est bon, je l'ai crocheté. Allez hop. Bien joué ça. Ah, t'as vu, hein, j'ai appris des meilleurs. C'est hein. Gentil le gourdin, mais j'ai un dégât qui me file 23 en force. Hein. Ah bah tiens, le journal de Afkalak. De Gulak, de Gulak. Ah, il y a une note de remerciement. Hop là. Le bête est-ce que fait ? Capas. Voilà, c'est comme la chambre. Je l'ai nommé Ptaris en honneur du code Ptarian sur lequel je l'ai élevé. Oui, mais. C'est quoi ça ? Ah, mais ça non plus, on n'y est pas allé. Où ça ? On a concocté un moyen d'accélérer sa croissance, ce qui pourrait condenser notre apprentissage sur une période de temps plus courte et donc donner des résultats plus rapides avant que la saison ne finisse. En fait, tout ce truc de la sirène rougissante, c'est pareil, on n'y est pas allé. Hein. Si, on a fait la sirène rougissante. Ah bon ? Si, ben c'est là, en dessous il y avait la guenaude. Ah ouais ? Bah ouais. Okay. Bah je me souviens plus. Bah souviens-toi. Moi j'ai une mauvaise mémoire, j'ai Alzheimer les gars. C'est plus Alzheimer, c'est une mauvaise mémoire. On est allé quand même dans l'entrepôt avec la porte en fer qui était verrouillée. Bah il y a plusieurs portes. Pas encore, donc, mais elle va pas être verrouillée longtemps cette porte, donc je te le dis. Verrou. Yeah. Verrouillé. Crocheté. Salut. Vers 20 quand même. Bon, moi je dis un petit Eldritch Blast et on en parle bleu. Hein. Bah, le problème c'est qu'il y a des gens à côté, ils vont te voir. Mais c'est bon, ouh, c'est un détail. C'est des réfugiés, ils vont se taire. Alors, hop. Qui d'entrepôt dit stuff. Oh, il y a un mort. Bah, je dois dire que je suis un peu deg qu'on ait buté le mec. Hein. Ah bon okay. Qui... bah en gros l'autre connard qui l'entraînait il a buté un rat et l'autre il lui a foutu une grosse claquasse dans la bouche en lui disant oh on tue pas les rats et l'autre il lui fait mais pourquoi c'est de la vermine non c'était une espèce inférieure qu'il fallait protéger donc en fait il avait vachement de compassion et l'autre il était là en train de dire ouais putain il va trop vite il est trop intelligent je commence à avoir peur de lui parce que il est trop fort. Les orcs sont intelligents sans doute bien plus que vous ne l'oubliez jamais. C'est un bouquin que je suis en train de dire. Les rats les orcs. Ah, oui, d'accord. Bon, bah, y'avait rien dans cet entrepôt, c'était de la merde. Bah, ouais, hein, je suis un petit peu, je vous avoue. Ah, non, attendez. J'ai trouvé autre chose. T'as trouvé autre chose ? Une trappe. Ouais. Je sais pas ce que c'est, mais. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Ah, un dragon. Eh merde. J'ai ouvert cette porte. Qu'est-ce qui se passe si je tire là-dedans ? En quoi ? Ah, d'accord. Ça n'a rien fait. J'aime beaucoup votre technique de recherche et ma foi assez intéressante de faire des droites gauche. Katox, est-ce que tu pourrais venir tirer dans ce truc là ? C'est solide, tu peux lui tirer dessus. Le crochet de grue ? Ouais. J'arrive. Merci. Eldritch Blast. Eldritch Blast. Ouais, j'ai rien fait là, qu'est-ce que tu fais toi ? Mais ouais, quoi ? Quoi ? Y'a un mec qui vient me mettre un coup de pression. T'es qui toi ? Voilà, il m'a dit genre ouais, faites gaffe à ce que vous faites, gardez vos mains dans vos poches, j'étais en train de marcher tranquillement pour vous rejoindre. Putain, c'est... Mais parce qu'on n'est pas censé être là, c'est full rouge. Ah ouais ? Super, il y avait un poisson, youpi. Et moi je suis encore dehors, hein, j'ai pas. Y'a marqué la bouche de ce petit poisson est garnie de
Non, la bouche de ce poisson mort est garnie de petites dents pointues. C'est mignon. Voilà. Mais c'est super. J'espère que vous êtes contents. C'est, on s'en fout. Ça m'est marqué. C'est bien, t'es bien, c'est bien. Eh hein, pas mal hein. Ah ouais, c'est tout. Il y en a là-dedans. Hein. C'est tout ce qu'il y a ici. Eh. En perception. Vous êtes tous des hein. Ah, c'est passé. On est tous aveugles. Hein. Surtout qu'on n'est pas venu là. Moi je sais pas, je vois des caisses. Il y a un sous-sol. Ah. J'ai cliqué dessus. Je suis plus là. Je suis parti sous les décombres. Let's go, mais on est déjà venu. Eh oui, et bah voilà, c'est. On est revenu à la case départ. Bon bah alors on se casse. On a trouvé par contre 5 pommes. Wow. La belle affaire. Ça n'a pas de prix, ça c'est. Enfin, c'est sûr. Ça... Il y a une caisse, il y a une caisse à. Bon bah c'est sûr qu'on manque de. Il y a une caisse à crocheter, c'est ça. Ouais, il y a non, c'est bon, j'ai vision, une caisse sur la table. Qui est-ce qui va l'ouvrir? Bon bah j'ai crocheté la caisse. Mais je me demande si crocheter à ma façon, ça pète pas des objets dedans parce que là il y avait rien de. Bah non, quand tu défonces un coffre. Au pire, on le saura jamais, tant pis. Hein. Oh la vacherie. C'est pas comme si on manquait de thunes ou de stuff. Que... Ouais. Je sais pas si vous avez déjà eu envie de tousser pendant que vous baillez, mais. Non, je crois pas. Bah, c'est un concept ça... qui est assez. J'appelle étrange, ça vomir. Hein. ouais, c'est l'épisode de la philosophie aujourd'hui là. Hein. Je pense que les viewers seront ravis. Hein. Ah, mais les mecs, mais arrêtez de tourner en rond autour. Attends, mais pourquoi ils sont pas. C'est qui ces gens? Tourner autour de quoi? Bonjour! Qu'est-ce que vous faites? Ça fait 56 minutes qu'on a commencé, les gars là. Oui, bah on va terminer le dernier petit point d'obscurité là, comme ça il est content, et puis on va terminer là-dessus. Mais tu veux aller où, putain? Mais terminer le dernier point, dernier petit point. C'est vrai qu'on n'est pas allé là-bas. On n'est pas allé au sud de la Steelwatch Foundry. C'est ça. Juste parce que sinon. Mais... Oui, mais tu m'emmerdes avec ta carte là, qu'il faut explorer tous les trucs. Alors, bon, j'y vais là maintenant. Arrête de me faire chier. Oh, c'est con, il y avait un point de TP en fait, et on est en train de tourner comme des. Ah bah, vous y êtes quoi hein. On est moins con que toi, manifeste. Je croyais qu'on avait pas débloqué le TP, j'étais en train de le voir de l'autre côté, j'étais ah putain, pourquoi on a pas le TP? Bon ben, c'est bloqué. Attends, peut-être que en volant. Peut-être que. Attends, maintenant qu'on a tout fracassé, c'est encore bloqué? Mais c'est surtout parce qu'on a tout fracassé que c'est bloqué en fait. Attends, je vais aller voir. Attends, c'est de la belle ouvrage, hein. Vraiment, quand on fait les choses, c'est pas à moitié du moins. Ah ça. Attends, non, je m'ai interrompu. Il y a un coffre dans le bateau, je le vois, il faut y aller. Ah bah oui, mais je crois vraiment qu'effectivement on est baisé, attends, je peux pas y aller non plus. Non, mais on va y arriver, tu vas voir. Moi, j'ai et si on vole? Tu vas me lancer. Lancez-moi. Je peux pas te lancer aussi loin. Attends, je peux peut-être faire ça. Hop. Attends, je peux essayer, mais. Voilà. Ah, attends, si, je peux te le jeter, attends. C'est bon. Et quitte. Hey, moi, let's go. Tu m'as fait faire un virage. Enfin, je te vois plus boulot. Hé, hey, 3 lingots d'or quand même. Hey. Bah, nous, notre technique a été rien que du naturel. Ça valait le coup aussi. Ou pas? Moi aussi, j'ai une potion. C'était bien, hein. On s'arrête là et épisode d'après, on tue Gortash. Ah oui? Ah bah oui. On voit pas vraiment ce qu'il nous reste à faire. Hein. Bon bah. C'est bien. Ah, attends, on peut aller voir. On peut essayer d'aller voir pour Baveux le clown. Ah, essayer... Attendez. Il y a même un endroit où on n'est pas allé, c'est au-dessus de la Forge des Neufs. Il y a encore pas mal d'endroits où c'est full d'arcien. Où ça, la Forge des quoi? Bah, quand t'arrives au début de la porte des basiliques, là, si tu vas au nord, il y a des endroits où on n'est pas allé encore. Allez, on y va vite, c'est tout. On fait du fileur de fileur, on s'en fout. Allez. Ça se trouve, il y a des choses, j'en sais rien moi. Il y a des trucs à explorer, vite tout le monde au TP mobile. C'est exactement ça. C'est plus que je me dis. Bah, une fois qu'on aura fini la partie, je pourrais pas aller à ces endroits là à moins de me retaper une partie de 100 heures. Et je t'avoue que sur le principe, j'ai la flemme. Ah ouais, mais tu peux la faire à une autre façon la partie. Enfin. Ouais, mais je serais pas assez assidu pour finir. Parce que même si ça me turlupine là, honnêtement, ça va pas me turlupiner pour 100 heures de jeu, quoi. C'est où, Sidu? Ah, je vais pas mentir qu'effectivement, peut-être que j'attendrai un DLC pour reprendre ma partie de... Non, pas de DLC. Si. Non. Si, bah, ils ont dit qu'il y aurait des trucs, mais que pour l'instant, ils avaient même pas commencé à bosser dessus. Si, franchement, vu comment le jeu, il a réussi... Ah, on lui avait parlé à la petite gamine, là. Mais c'est mal connaître la Run Studio.
Pourquoi? Il y a un mausolée crochetable. Ah, c'est con ça. Bah, il y a une clé, regarde. Hop. Voilà. Il y a un truc à regarder là. Oh, attendez, il y a ici là, vous avez pas cliqué ici. Attends, je suis dans un mausolée. Ah. Là. Alors, ici aussi, il y a un truc, hein, si jamais. Je sais pas si vous voyez qu'il y a un kiki là. Moi, je ramasse les composants parce que sinon. On lui avait parlé au kobold? Ah, oui, on avait parlé au kobold. Bon, par contre, le mec qui est enterré vivant, peut-être qu'il est mort. Ah, bah, manifestement, mon personnage n'est pas assez fort pour. Bah, moi non plus, je suis dans le mausolée, il y en a un deuxième et ça ne va pas. Attendez, vous voulez voir? Attendez, moi je. Regardez, je fais apparaître des gens. Attendez, je casse le mur. Tada! Ah tiens, salut. Ça va? Il faudrait pousser le sarcophage. Ça va? Moi j'étais... Fais gaffe, y a des petits pièges à gauche à droite. Ouais, mais t'as un sarcophage là, t'as un sarcophage après. Comment? Ah, j'ai trouvé une clé. T'as fait apparaître qui? Bah je viens de faire pop un mec du sol. Oups. Peut-être oui, j'ai réussi. Aïe. Ouais. Manifestement, on a réussi à ça aussi. Un squelette. Un bouclé plus 1. J'adore ton dialogue, Menmir. N'est-ce pas? Mais bon. Est-ce qu'on avait fini la quête du clown? Non. Non, ben on a toutes les parties normalement, je pense que ça. Donc ça, on fera ça pour le prochain. Mmh. Oh, y'a un squelette. J'ai ramassé. Et dans le squelette, y'avait quoi? Une bouteille. Alors, j'ai trouvé une lance magique, j'ai trouvé une épée plus 1 et des chaussettes. Oh, une jolie tenue. L'archiduchesse, sont-elles sèches? Un anneau et un collier. Bon, je suppose que vous êtes. Ah, vous êtes au Hun Mausoléum? Oui, mais il y a un sarcophage, j'arrive pas à ouvrir. Mais tu vois, plus tirer dessus, ça va marcher. Oh merde, il y a un fil. Eh, vous avez vu un petit fil, un tripouillard. C'est. On se met de la difficulté comme on peut, c'est-à-dire que j'ai arrêté de désamorcer les pièges, je me dis bon, ah ouais, peut-être que ça va. Est-ce que si je. Vas-y. C'est bon, j'ai réussi. Ah, mais non, mais je peux pas le. Je peux pas le déclencher. Ce sont la boule de feu. Ah non, s'il appuie sur la petite claque. Oh, ça c'est classe, tiens, c'est bon. Mais je crois que s'il l'a remarqué, en fait, ton personnage va faire le tour s'il en a la capacité. Ouais, il veut pas marcher dans le tripouillard. Eh, on a trouvé un trou. T'as pas une main de mage ou un truc comme ça? Ah si, là. Hop. Où est-ce qu'on va? Mausolée des Durenbol. Ah, on continue dans un autre mausolée là? Ouais, bah ouais, y'a un autre mausolée. Attends, vas-y, attends, mais... c'est là. Et le gros sarcophage, c'est bon? Vous avez réussi à récupérer tout ce qu'il fallait ici là? Non. Ah, y'a une petite pièce d'or à côté de la statue. Il est où le spell de transfo là? Une lance rouillée. Qu'est-ce que quoi? Impo. Oh là! Je suis petit. Hop là. Hey! Oh, c'est quoi ça, le Gorion Mausoléum? Bah, c'est cool. Bah, ah, j'avais pas fait ça moi. Ah, tu vois. Moi de le retrouver à mon avis. Alors, dans ma partie, j'ai essayé de. Oh, il y a un trou. Il doit être par là, non? Il y a un trou qui sort pas très bon. Ah, bah, le mausolée des Gorion, c'est là. Non, ça se déhune. Attendez, je vais vous montrer, il y a un passage, je vais sortir. Oh, il y a un squelette! Il y a un squelette qui est lootable et qui peut servir de sac. Un squelette dans un cimetière? Non, 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 mais le squelette peut servir de... Mais non, 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 le squelette, on peut s'en servir comme sac. J'en reste quoi? Non, mais t'écoutes pas ce que je te dis. Non. Par contre, le sac, il pèse... Putain, le squelette, il pèse 250 kg, c'est... vénère, hein. Ah, c'est squelette de... C'est ici, hein, c'est ici si jamais, hein. Si vous voulez descendre dans le sanctuaire de Gortash ou je sais pas quoi, là. Attends, moi, je vais dans le trou. Oui, mais pour... Enfin, si tu descends dans le trou, c'est là où je suis, ça... Et là, il y a un autre... Where are you? I don't know you. Dans la morgue? Non, non, là, devant, vous êtes rentré dans un bâtiment, tu sors, et c'est juste à côté, quoi. Il y a mausolée de Durimbold. Ok, d'accord, là, je vais prendre la porte de Baldur's Gate. Baldur's Gate. Et accessoirement, il y a un monticule de terre, mais j'arrive pas à le machiner. Donc attends, il y avait le Gorion, et tu dis qu'il faut aller dans lequel?
C'est celui là où je suis là, c'est juste à côté de moi. Mais putain, je te vois pas. Mausolée des deux. J'arrive. Effectivement, il veut pas. Ouais, le mausolée des Durimbol. Mais. Ah, ma caméra qui. Pourquoi elle fait ça, ma cam? Oh, vas-y, c'est bon. Bon, et du coup, on arrête l'épisode là? Bah, on peut, hein. Allez, bon. Voilà. On vous fait des au revoir dans un mausolée? Ouais, des bisous. Ouais, des bisous, ouais. Salut. Allez, cassez-vous, y'a rien à voir. Ouais, barrez-vous, là. La prochaine fois, vous en faites pas, je vais vous emmener dans un petit champ, là. J'ai trouvé un autre endroit encore. Oh, putain. JPP, tuez cet homme.